Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce Let's Play de Roots of Pasha. On s'était laissé à la fin du jour 8. Attends, c'est quel bouton pour trouver celui-là? Du coup, on allait entamer le jour 9. Je m'étais dit que j'allais pex pour augmenter un peu la ferme, etc. etc. Enfin, le potager et tout ça. Puis je suis tombée sur une cinématique, comme par hasard, et du coup bah, j'ai dû tout arrêter et pour pouvoir vous la montrer tout simplement. Donc c'est parti. Donc, on va prendre ça. Yep. Alors, quelles graines j'ai? J'ai 3 graines de carottes que je pourrais mettre là. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Tant pis si ça ne se récolte pas en même temps. Mais bon. Ensuite, on a d'autres tomates. On en a 9. Je vais les mettre là. J'en mettrai que 8. Après, on parlera aux gens. C'est là que se trouvait la cinématique. Ensuite, on a 5 haricots. Et 3 de plus. Ensuite, mais c'est pas possible. Voilà, comme ça c'est mieux. Et hop. Et ensuite on a des patates. Ça, j'avais pas encore fait les patates. J'en ai 8. Donc on va les mettre plus ou moins ici. 2, 3, 4. Et 8. Assez pour les deux. Ah, il m'en manquera un. Il m'en manquera un. Oh, et... Pour un, t'es nul. Bref, c'est pas grave. Et un, j'ai du machin là. On va les mettre. On va les mettre ici. Et je pense que c'est tout. Bon, il nous reste 2 de ça et une tomate, mais bon. C'est pas grave. Tu as remarqué l'odeur de ce sol? Elle est si riche. Et en parlant, il n'y a pas de... Attends, madame. Je me demande pourquoi les gens aiment les coquillages. Ah, intéressant. Un emploi du temps préparé à la minute près permet d'avoir une bonne productivité. Ok, je vais quand même déjà voir où sont les gens. On va faire notre gourde. Bonjour. Ouais.
Enfin, j'avais besoin d'aide de toute façon. Ah, je suis déjà à la moitié de mon endurance. J'ai rencontré de nombreuses personnes intéressantes au cours de mes voyages, mais quelque chose m'a poussé vers Ada. Donc, on va aller en bas. Ah, il fait la pépinière. Du coup, il n'a pas commencé la maison, on n'a pas encore fait la maison. Il devrait pêcher après. Notre tâche la plus importante, c'est d'aider le clan. Je ne suis pas un grand cuisinier. Du coup, ma grand-mère me prépare mon repas quand je vais pêcher. C'est un vrai bonheur de te voir aider le clan avec autant de passion. Ouais. Hop. Pour avoir une bonne chanson, il faut embourriquer. Bon, bon, ça tu te répètes. Je t'ai déjà donné ton cadeau aujourd'hui, ma chère petite femme. Il faudrait que j'aille chercher. Vore aime tellement la chasse qu'il est heureux quand on lui offre du fumier pour masquer son odeur. Ah, c'est à lui. Ton personnage, je préfère encore que les animaux me repèrent. Vore, faut pas que j'oublie. Vore aime bien qu'on lui offre les fumiers. Et toi, Vore, ouais. Dis, Ata t'a parlé de moi? Enfin, je m'en fiche, hein, je demande juste ça comme ça. Là, oui. Dès que je trouve des coquillages brillants, je les donne à ma sœur. Elle les adore. C'est qui ta sœur? C'est ta sœur. Attends, j'ai oublié, c'est... Qui ta sœur? Relation. Non, relation. Relation. C'est l'anniversaire d'Iloé. Merde, qu'est-ce que je peux lui offrir? On va lui offrir une fleur. Hein. J'ai pas d'autre idée. J'aimerais bien lui offrir du poisson, mais je veux parler à tout le monde d'abord. On va voir si elle aime bien les fleurs. Ça a l'air d'être le truc assez simple. Ah, c'est là. De toute façon, j'en offrirai une à Ebon. Voir à qui je dois encore parler. Merde. C'est incroyable, ce cadeau fait virevolter mon cœur. Mais de rien. Elle est où, Ilo? Elle est là-bas, Ilo. J'espère qu'elle aime bien les fleurs. J'ai pas envie d'en gaspiller une pour rien. Bien sûr, elle devrait aimer le poisson, vu qu'elle aime bien le fleur. Bien, joyeux anniversaire. Quel beau cadeau d'anniversaire, merci, Célène. Oh, je suis à 3 fleurs avec Iloé. Merde. Elle a dépassé Ebon. C'est pas possible. Elle est née le 16, donc on va devoir attendre encore un peu. J'en suis où, moi, avec une... C'est qui ta sœur? Non, je la suis. Ah, ta sœur, c'est Iloé et Dari. Je sais pas. Ok, d'accord. Donc, tu offres des coquillages à ta sœur. Ok, Garek, ok. Pour l'instant, j'ai une fleur partout, sauf avec Yvon qui en a 2. Et Iloé qui en a 3. C'est dingue, ça. Ah, Jag aussi en a 2. Sinon, j'ai une fleur partout. Sauf à ceux que j'ai pas connus. Ah, Nok aussi, il en a 2. Enfin, j'ai minimum une fleur partout aussi. Oh, mon dieu. Ça, c'est des choses. Ok, whatever. Range-moi ça. Merci. Du coup, il nous reste qui? Donc, eux, c'est fait. Il nous reste... Voilà. Je suis trop vieille pour les jouets. Par contre, je joue avec les outils. Les gars, pas de patte, pas mal. Je sais bien qu'Ata s'occupe des corvées d'Ibon. À ton avis, je devrais te fâcher ou pas? Bah après, si c'est Ata qui demande... Alors... Ah! Je peux pas encore faire mon marteau. Il me manque du silex. Et du bois. Bon, on va faire ça plus tard. Très bien, le moment où on va aller là. Bon. On va faire ça plus tard. Mes mamans sont super. Par contre, je ne peux pas laisser Oka toucher à mes œuvres de haute culture. Elle n'a aucun sens du détail. Et... Grob croit vraiment que son ami a touché une étoile. La lune peut-être, mais pas une étoile.
Par contre, je veux les tomates. Je veux les tomates. Ah. Je sais même plus c'est dans quelle maison qu'il y a une timidité. Attends, bonjour. Attends, est-ce que je peux? Ah, il me semblait bien que je pouvais. Trop bien. On va débarrasser tout ça, on n'a rien de temps. J'ai parfois du mal à trouver les mots justes, alors j'essaie de trouver les couleurs justes. Faudrait que j'arrête de lire, hein, parce que ça, des fois ça se répète. Mais vu que je me souviens jamais, j'ai du mal à savoir quand est-ce que ça se répète. Oh, je t'ai pas parlé, Jacques du feu, là. Voilà. Comme ça, je suis sûre que on lui a parlé au moins une fois. Ça va, ça lag pas trop. Ça a l'air d'être bon. En tout cas, j'espère que le nouveau rythme va vous plaire. Avec Jésus, on aime bien rendre visite à René Riz les jours de pluie. Il faut se lâcher un peu de temps en temps. J'espère que le nouveau rythme va vous plaire. Comme ça, moi, ça me laisse aussi un peu de temps de mon côté pour faire des trucs. Et vous, ça vous permet peut-être de rattraper des épisodes que vous auriez manqué. La rivière est puissante, si seulement on parvenait à l'exploiter. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous préférez ça ou si vous préférez une vidéo par jour. Rob et Ron devraient passer plus de temps sans... Ron est adorable avec Riz. Ok, donc il nous reste la maison là. On va aller voir ça. Oups, pardon, pas ce que je voulais faire. Ah oui, je dois pêcher aussi pour faire ça. Voilà, c'était la cinématique que j'avais vue. Iloé, c'est moi qui étais de corvée balayage. C'est bon, je m'en occupe. Mais ça ne me dérange pas. Va te reposer, Ygrok. J'ai presque fini. Iloé, que fais-tu? Je balaye. J'ai aussi fait sécher les herbes que j'ai cueillies. Elles sont dans la cuisine. C'était Voda qui devait s'en charger. Je te l'avais pourtant bien dit. Bah, j'en ai profité car j'étais de sortie. Tu ne peux pas tout faire. Je ne fais pas tout. Tu vas t'épuiser. Ou pire, te blesser. Tu ne pourras pas continuer comme ça longtemps. Tant que tu n'auras pas appris à partager la charge de travail, je ne t'enseignerai plus l'art de la guérison. C'est vraiment injuste. J'essaie juste d'aider. N'écoute pas, tu devrais l'écouter. Bah oui, si elle se surmène, chacun sa tâche, c'est comme ça qu'on vient en communauté. Hein. Je sais parfaitement ce dont je suis capable. Et je suis sans doute capable de faire plus que la moyenne. Enfin, ça ira. D'ailleurs, elle aura certainement besoin de mon aide plus tard. Une idée de si on a fait quelque chose. De toute façon, nous, on ne cherche pas à être avec elle. Donc, je m'en fiche un peu de par des points d'affinité avec elle. La chasse est d'un ennui. Qui a envie de rester planté comme un radis dans les bois pendant des heures? Qui a envie de rester devant sa casserole qui est en train de bouillir pendant des heures? Je sais que Guin veut le meilleur pour Nock, mais il doit accepter que le fait que notre fils n'est pas un chasseur. Ah, j'ai déjà parlé. Non, il y a Ada là-bas. Hop. Je sais qu'Iloé essaie d'aider, mais elle doit réfléchir aux conséquences de ses actions. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, après, elle fait qu'aider.
ça peut être mal vu. Donc voilà, ça c'était la cinématique. On va aller faire les animaux. Je sais plus du tout quel animal on veut faire. C'est pour le montable. C'est pas grave. Après, on va faire quoi? Je vais d'abord voir les lapins, parce que les lapins, c'est le plus important. Oh, oh, oh. Je vais les caresser quand même, on sait jamais. Quand même augmenter l'affinité de tout le monde. J'aimerais bien voir un lapin noir femelle par contre. Attends, je laisse pas toi. Toi, t'es en train de dormir, mon pauvre, je vais te réveiller. Pas être trop con, c'est ça? Ouais, le pire, je peux toujours la détecter. Lapin te fait confiance, si tu avais ta propre maison, tu pourrais la vivre avec toi. Du coup, t'as un mage par exemple. Évidemment, ça. Évidemment. Pas entouré d'hommes. Enfin. Finir par en adopter un mage, je vais l'appeler Benji. Allez savoir. Bref, pas grave. On verra plus tard. Donne-moi le champignon. Ah, je vais peut-être pouvoir replanter des haricots. La grenade. Est-ce que je peux planter des grenades? Bonne question. Bonjour. Le temps d'atteindre le foyer, il arrive que je me souvienne plus de ce que je venais y faire. Ça m'arrive aussi. Ok. C'est pas encore fait. Donc là, on en a au moins deux. Donc je vais pas me concentrer sur eux pour le moment. Je crois qu'on n'a pas encore fait les sangliers, je pense. Peut-être les sangliers ou les bouts ont eu le sanglier. Alors, on s'y voit avec eux. J'espère que c'est un mâle. Un P, c'est pas lui que je voulais viser. Thank you.
Toi, t'es quoi? T'es un... Ah, t'es une femelle. T'es quoi? Bah, t'es une femelle aussi. Peut-être que des femelles ici, vous gay, hein? Why? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'aurai de la contribution avec les champignons et les grenades. J'en aurai pas beaucoup, donc je vais probablement aller faire un petit lac, histoire d'avoir mon marteau. Ah oui, je vais faire les offrandes de l'autre truc aussi. Je suis déjà arrivée jusque là, je sais pas. Après, je vais vraiment m'occuper juste de la récolte. Donc, comme il n'y aura pas grand-chose, au niveau des jours, je vais passer plusieurs jours. Je vais les record au cas où il y a une cinématique et tout ça qui apparaît, histoire de pouvoir vous la présenter quand même. Mais je vais surtout me concentrer sur le défrichage de mon champ et la récolte des silex, etc. Pour faire les haches, les améliorations, etc. etc. Donc, comme je vais faire que ça risque d'être un peu embêtant pour vous, augmenter les pêches et tout ça. Je les ferai de mon côté. Et s'il y a des cinématiques, ben vous verrez l'épisode avec la cinématique qui popera. Ou sinon, ben, vous verrez une différence de jour entre le jour 9 et le prochain jour où je reprendrai une quête. Donc là, c'est du poisson. Je crois que c'est poisson, carottes et pain. Je crois que c'est un truc comme ça. Oh, vous êtes servi, il me manque 5 silex et je pourrais pas les récupérer parce que... Ah, il me manque 4 silex. Quelle horreur. Ah bah j'ai plus d'enduit. Le jeu ne m'aime pas. Bon, c'est pas grave. Donc la grenade, je vais la garder, je vais donner le champignon. Les champignons, la citronnelle, je pense. Ah, ça se met en pause quand on est dans la grotte? Non, ça se met en pause quand on est en cinématique. Pas quand on est dans la grotte. Oui, des fois, je remarque des trucs. Alors, sanglier, quinoa, lapin. Donner ça. Attends, est-ce que je t'ai parlé, toi? Oui, je t'ai. C'était plus moi à la fin. À qui je parle et à qui je parle pas. Je vais en donner une, voilà, comme ça. Ça fera pas beaucoup de contributions, mais. Dans ce sens. Pas tranquille. J'ai pas encore de maison. Donc on s'en va aller faire des dons. Avant d'aller faire des dons, on va vider notre inventaire. Parce que je me connais. Voilà. Maintenant, on va aller faire des dons. Voilà, ça sera un court épisode. Bon, 24 minutes, ça passe encore, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye!